Une conférence internationale ayant lieu à Berlin le 27 avril, à laquelle participent les représentants des créanciers de l'Allemagne et des représentants de la Reichsbank, j'ai été demandé de récapituler en bref les problèmes en discussion. Je laisse à part toutes sortes de sentiments, étant agréable ni pour le débiteur qui voudrait bien régler sa dette, mais qui pour le moment est hors d'état de le faire, ni pour le créditeur qui temporairement doit renoncer à ses intérêts auxquels il a un droit légal. Je me borne plutôt à la description de faits. Le fait, c'est que tous les débiteurs paient à l'échéance dans la caisse de conversion en monnaie allemande leurs intérêts de façon qu'aucune insolvabilité existe de la part des débiteurs. Le fait, c'est que actuellement l'économie allemande ne se trouve pas dans une position qui lui permet d'acquérir un surplus de devises étrangères assez large pour mettre à la disposition du débiteur, en échange de Reichsmark versés par lui, le montant en monnaie étrangère que le créancier étranger attend. Les faits qui ont amené ce développement sont primo que la moitié de tous les emprunts étrangers de l'Allemagne n'a pas utilisé pour l'amélioration de l'économie allemande, mais pour le paiement des réparations. Et secondo, que le commerce mondial, par moyen duquel l'Allemagne peut seule obtenir ses devises étrangères, est tombé à un tiers de son niveau précédent. Il est encore de fait que l'encaisse or et devises étrangères de la Reichsbank, qui, il y a 3 ans, s'élevait à plus de 3 milliards de Reichsmark, ne dépasse pas aujourd'hui 200 millions Reichsmark. La suite de toutes ces circonstances, c'est l'impossibilité actuelle d'effectuer le transfert des dettes allemandes en devises étrangères. Remèdes ne peuvent y venir que de deux côtés. Augmentation des exportations allemandes par une stimulation du commerce mondial d'un côté, et d'autre côté, que les créditeurs allemands se montrent assez coulants relativement au taux d'intérêt, extension des remboursements, etc. Et voilà le thème de la conférence. Je peux assurer que de sa part, l'Allemagne fera tout son possible pour augmenter sa capacité de transfert. Je compte d'autre part sur le secours et le bon jugement des créditeurs étrangers.